ensemble le programme des Nations Unies pour le développement et la République du Togo. Nous avons des grands défis dans le domaine du développement sur des secteurs différents économiques, mais aussi avec une vision d'avancer le développement dans le pays. Et un programme qu'on a discuté aujourd'hui, c'est le programme urgence et développement communautaire. C'est un programme de collaboration entre le PNU et le Togo qui nous donne un exemple de comment est-ce que ce partenariat, c'est une nouvelle forme de coopération. Les Nations Unies sont très engagées au Togo et avec la discussion de ce matin, j'ai reçu la confirmation de Son Excellence que cette coopération va continuer dans le futur. Nous sommes très engagés dans le pays et ça c'est un bon chemin pour nous suivre. Merci. Le financement du secteur de la santé dans mon pays se présente comme suite. L'État finance la santé à hauteur de 34%. Les partenaires, les bailleurs, à peu près 43%. Et la population, donc les recettes issues des formations sanitaires, c'est à peu près 21,5%. C'est que l'engagement que nous avons pris, c'est de consacrer 15% du budget national à la santé. Ça, c'est l'engagement au niveau de la CDAO. Aujourd'hui, nous en sommes à 8 et nous espérons monter à 12% en 2022. Je pense que quand on parle du financement du secteur de la santé, il faut voir comment ces ressources sont gérées au niveau des formations sanitaires. Parce que vous pouvez consacrer 15% de votre budget à la santé, mais avoir un service qui équivaut à peu près à 8% de ressources du budget. C'est-à-dire que vous n'avez pas la qualité dans la prestation des services. Au Togo, par exemple, chaque ménage, en moyenne, utilise 45% de ses revenus disponibles pour les besoins de santé. Donc, face à cette demande, que faire? Parce qu'on investit parfois dans le secteur de la santé. Nous avons eu, je peux donner des exemples précis, pour des scanners, pour des équipements sophistiqués. Et au bout de quelques mois, on constate que le même équipement est en panne. Et nous avons tenté une expérience au Togo, c'est de déléguer la gestion de certains services d'hôpitaux qui sont sensibles et qui génèrent des ressources, c'est-à-dire les pharmacies, les laboratoires, les radios, la morgue, à des structures non étatiques. Et l'hôpital garde son statut public, le personnel aussi reste. Nous avons constaté une nette amélioration dans les prestations et une augmentation des ressources. Et à notre tour, maintenant, l'engagement que nous avons pris en faisant cela, nous avons dit que si les prestations s'améliorent, nous allons investir davantage. Merci, M. le Président.